Salut à vous. Vous avez de bien jolis souliers. Cuir de chèvre? Cuir de porc. Les miens ne sont pas aussi jolis que les vôtres. Mais moi, j'ai mis en place un système d'aération. Vous voyez? Que diriez-vous d'un échange? Seulement si vous ne voyez pas d'inconvénient. Je ne suis pas un voleur. Ah, je vois, vous n'êtes pas bavard. Alors, je vous propose quelque chose. Si vous ne dites rien, c'est que vous n'êtes pas contre. Vide à ma taille. Vous voyez? Merci. Et passez une bonne journée. Salut à vous. Pourquoi ces mines abattues? Vous êtes ici sur les terres de l'empereur Friedhelm l'Élégant. Et alors? Alors on est ravis d'en partir. Bonne chance, les frangins. Quelque chose à vendre. Regarde, il porte de vrais souliers. T'as pas un bout de saucisson ou un reste de jambon? Non, non, ça fait longtemps que j'ai vendu toutes mes bêtes à l'empereur. Les couturiers lui refont des habits avec le cuir et la fourrure. Et nous, on est condamnés à manger des pommes de terre. T'as faim, mon grand? Et t'as de l'argent? Non. Alors dégage. Je peux vous proposer mon aide? Te fais pas d'illusions, ici, y a pas de travail. C'est que notre cher empereur a mieux à faire que de s'occuper de son peuple. C'est-à-dire? Fiche le camp! Bretzel! Allez! Bretzel! Quel ronchon, celui-là! Aujourd'hui, pour 10 bretzels, un 11e gratuit. Bonjour. Si j'ai bien compris, je vous achète 10 bretzels et vous m'offrez le 11e, c'est ça? Absolument. Alors, je vous en prends 10. 10. Et le 11e. Voilà. Merci. C'est bête, ça. Je croyais... Je suis vraiment confus. Apparemment, j'ai oublié mon argent chez moi. Mais... Merci. Je vous prends juste le 11e. Il est excellent. Vraiment bon. Merci. Bonne journée. En courant, elle m'a piqué une pomme. Oui, mais j'ai tellement faim que j'ai oublié si elle est partie par là ou bien par là. Ah, en douille. Greta! Où est-ce que tu te caches encore? Greta! Est-ce que Greta est une petite fripouille qui aime les pommes? Tu sais où elle est? Faut voir. Si tu la cherches pour la gronder, je ne l'ai pas vue. Cette fripouille est ma sœur. Dis-moi où elle se cache. Seulement si tu me dis ton nom. Maya. Maya? C'est très joli. Oh, Greta, qu'est-ce que tu as encore fait? J'avais très faim. Tiens, tu veux goûter? Je te l'ai déjà dit 100 fois, c'est laid de voler. Et si cette vieille bique t'avait attrapée? C'est pas le cas. Et il m'a aidé, lui. Alors comme ça, tu aides ma sœur à voler. À ne pas se faire choper, plutôt. Merci. Jusqu'ici, on se débrouillait sans toi. À votre place, je ne traînerai pas trop dans le coin. Et j'irai par là. C'est le portail du château d'Enfer. Et alors? On n'a pas le droit d'y entrer. Oh, oh, oh. Dégagez le passage, livraison des étoffes de Sa Majesté l'Empereur. Des nouvelles étoffes de l'Empereur. Maya. Reste là, Greta! Mais qu'est-ce que tu fais? Reste là, je te dis! Maya, suis-moi! Greta!
doit faire pour ressortir. La vieille Big doit encore chercher Greta. À votre place, je me cacherai ici. Au fait, comment tu t'appelles? Jacob. Alors bonne chance, Jacob. Attendez, autant en profiter pour m'expliquer ce qui se passe chez vous. Pourquoi tous les gens maudissent l'empereur Friedhelm? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on a faim. Ah ouais? Il laisse son pays à l'abandon. Il s'affiche de tout. Pourtant, l'empereur est plein aux as. Et qu'est-ce qu'il fait de tout son argent? Il les dépense. Et en quoi? Des habits, encore, encore et encore. Et pourtant, je n'ai rien à me mettre. Vous tenez donc à ce que je me promène tout nu. Et que pense Sa Majesté de cette toilette? Elle est magnifique. 20 faisans et 4 paons y ont laissé leurs plumes. Oui, pas mal, mais elle m'ennuie. J'ai déjà vu ces fanfreluches 1000 fois. Vous n'avez rien de plus audacieux pour moi. Quelque chose d'original, du jamais vu. Il y en a marre de la volaille. J'en peux plus des manteaux en lézard exotique. Et des culottes en fil doré. Je ne veux plus de chemises en peau d'oreille de chauve-souris. Tout cela est d'un ennui mortel. C'est quoi ça? C'est une tâche? Oh, pardonnez cet écart, Majesté. Cours donc la nettoyer immédiatement. Si cela se reproduit, je te jette au cachot avec les autres. Me suis-je bien fait comprendre? Laissez-moi sortir! Je promets de porter un bavoir pour manger! Oust! Majesté, je vous présente une pièce exceptionnelle, ma dernière création. Cette étoffe est en toile de verre à soie japonais, teintée avec des pétales de rose jaune, confectionnée expressément en l'honneur de votre anniversaire. Ouais, oui, rien de très excitant. Quoique, c'est mignon, oui. Majesté, les boutons sont en truffe de loutre. Et la broche goutte de rosée est en ambre pour relever votre teint. Mm-hmm. Vous ne voulez pas la passer vite fait? D'accord. Les gens disent qu'ils se changent toutes les heures. Ils seraient prêts à tout pour avoir de beaux habits. Tout? Il n'y a que ça qui l'intéresse. Quel gâchis. Il passe à côté de choses tellement plus fascinantes. Il parle de toi. On pourrait proposer à l'empereur Friedhelm de lui confectionner de beaux vêtements. C'est ça. Primo, il emploie les meilleurs couturiers du royaume. Deuxio, il est extrêmement sévère. Il jette les gens au cachot alors qu'ils n'ont rien fait. Ah, et Tertio. Tertio, jamais on ne te laissera l'approcher. Otto, quelle chance. Il faut que tu m'aides. Regarde-moi ça. Si l'empereur voit ça, il va te jeter au cachot. Mais oui, je sais. Mais on me les a volés. Je dois trouver une autre paire, sinon je suis cuit. Ouvrez grand vos yeux. Mais... Je suis réveillé et puis plus rien, envolé. Il faut toujours que tu fasses la sieste pendant ton service. Oui, oui, allez, vas-y, cours, espèce de petite crapule crapuleuse, et que je ne t'en vois plus. Si je te reprends à voler un valet de l'empereur, je te garantis que j'hésiterai pas à me servir de mes poings. Espèce de vilain gredin. Greta. Insensé le monde dans lequel nous vivons. Vous vous rendez compte? Ces souliers, je les ai récupérés des mains d'un voyou qui tentait de me les vendre. Ce sont les miens. Vraiment? J'ai tout de suite compris qu'il ne pouvait s'agir des souliers d'un vulgaire vagabond. Tenez, je vous les rends. T'es chanceux, toi. J'ai une dette envers vous, jeune homme. Si je peux faire quoi que ce soit... Non, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. En revanche, si vous n'avez plus utilité de ces souliers, je... Bien sûr. Merci. Vous m'avez sans doute évité le cachot. Je vous en remercie beaucoup. Je le répète, si vous avez un souhait... Il y a bien quelque chose, mais... Non, ce serait... Si, si, si. Dites-le, allez-y. Je vous écoute. Avec mes deux accompagnatrices que vous voyez là-bas, nous rêvons de pouvoir nous entretenir avec Sa Majesté l'Empereur. Avec Sa Majesté? Oui, Friedhelm. Je regrette. C'est impossible. J'ai une proposition à lui faire concernant la mode, la haute couture. Complètement exclu.
Ouais, désolé, je m'en doutais. J'aurais pas dû. Pas grave, laissez tomber. En tant que simple valet, vous n'êtes certainement pas autorisé à présenter des gens à l'empereur. Excusez-moi. Bonne journée. Nous, des simples valets ? Hé ! Bien sûr qu'on est autorisé, jeune homme. Va donc chercher tes accompagnatrices. Allez-y. Tu es sûr qu'on n'est pas en train de faire une bêtise ? Ça va aller. Au moins, j'aurai mes souliers quand il nous jettera au cachot. Comment ça, nous ? Regardez-moi ça. C'est tellement joli. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Oui, mais c'est plutôt une tenue de tous les jours, je crois. Vous avez une allure renversante, votre majesté. Cette tenue souligne votre stature et vous donne quelque chose de suprême. Ah oui, tu trouves ? Ouais, je sais pas, mais... Oh, elle ne sort pas assez de l'ordinaire pour mon anniversaire. Il va falloir que tu aies un peu plus d'imagination. Encore plus ? Pour mon anniversaire, je veux porter quelque chose qui laissera sans voix tous les gens qui me verront. Heinrich, mon conseiller impérial. Qu'en dit-il, monsieur Tell ? Assurément, majesté. Je n'aime pas vous déranger, mais nous devons nous entretenir d'urgence à propos du cheptel et des finances de votre empire. Je commence à m'en soucier. Ah oui, oui, plus tard, plus tard. Tu ne vois donc pas que je suis très occupé ? Certes, majesté, mais le peuple souffre de famine. Je vais te dire une chose. S'il y a une seule personne qui doit se faire du mouron, c'est moi. Mon anniversaire approche et je n'ai rien, rien, rien à me mettre. Quel scandale ! Excusez mon hardiesse, votre majesté, mais je ne peux pas me maîtriser quand je vois mon souverain dans une telle détresse. Comment t'appelles-tu ? Dis-moi, comment es-tu entré, jeune homme ? Tu vois, je te l'avais dit, Paul. Il nous a dit qu'il avait... Je suis Tisserand, le meilleur de l'Empire. Et comme chacun le sait, dans cet empire, il n'y a pas plus raffiné que vous. Il est donc logique que je vienne vous proposer mes services. Tu ne ressembles pas du tout à un tisserand. Pardonnez mon accoutrement. Mais je n'ai consacré ma vie qu'à un seul but, à savoir confectionner les plus beaux habits pour les plus belles personnes. Nul n'en serait donc plus digne que vous, majesté. Voyez-vous, pour quelqu'un comme moi, mes créations sont bien trop prestigieuses, nobles. Et comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de toi ? Eh bien, je viens de très, très loin, et j'ai fait ce voyage spécialement pour offrir mes talents à l'empereur. C'est ridicule ! Mais quelle effronterie ! Garde ! Emparez-vous de lui ! Quelle est cette offre dont tu parles ? Vous avez besoin d'une toilette exceptionnelle pour votre anniversaire. Je peux vous la confectionner. Une parure comme vous n'en avez jamais vu de toute votre vie. Je ne comprends pas pourquoi vous écoutez le baratin d'un gamin sorti de je ne sais où. Qu'est-ce qu'elle aura de si, si exceptionnel ? Elle sera jolie. Si jolie que toutes les personnes qui vous verront la porter seront éblouies. Et croyez-le ou non, pour certains, elle sera invisible. Invisible ? Tous ceux qui sont prodigieusement bêtes ou indignes de leur fonction, ne verront rien. C'est hilarant. Alors, comme ça, tu prétends me confectionner non seulement la plus belle parure, mais aussi celle qui me dévoilera qui exactement dans mon empire est stupide ou incompétent, c'est ça ? Vous ne croyez tout de même pas ce que vous racontez ? Mais c'est extraordinaire, c'est fantastique. Instantanément, je saurai qui m'est utile et qui ne l'est pas. Il me faut un tel habit. Je passe officiellement commande. Pour le confectionner, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Je vous remercie beaucoup, votre majesté. Nous avons ici un magnifique métier à tisser, ainsi que les plus beaux matériaux que tu puisses imaginer. Tu seras également nourri et logé. En revanche, la commande doit m'être livrée à la prochaine lune. Parce que ce sera mon anniversaire. Et si tu tiens parole, je te donnerai un sac rempli de pièces d'or.
Mais Majesté... Oh, Heinrich, je t'en prie. Vous êtes vraiment très, très généreux, votre Majesté. Et je ne voudrais absolument pas abuser, ne vous méprenez pas, mais sans mes deux assistantes, je ne peux pas travailler... Assistantes? Mais quelles assistantes? Oh oui, d'accord, elles auront aussi une chambre et de quoi manger. Il s'agit des deux petites, là? S'il vous plaît, mettez-vous autre chose sur le dos, c'est laid! Je veux être entouré de belles choses. Montrez-leur le métier à tisser. Ah oui, avant que je l'oublie, si jamais je suis déçu, je vous fais jeter au cachot pour le restant de votre vie, tous les trois. Voilà, je vais aller inspecter mes nouvelles étoffes. Viens, Adèle. Voilà le métier à tisser. Vous trouverez vos chambres à côté. Vous y trouverez également de nouveaux vêtements. Nous sommes donc quittes, non? Oui. Merci beaucoup. Otto? Paul. Paul. Dites-moi. Quand l'empereur a dit qu'il nous enfermerait pour toujours, est-ce qu'il plaisantait? Je crains que non. C'est quoi ça? J'en sais rien. Tu as complètement perdu la tête. J'espérais un peu plus d'enthousiasme. De l'enthousiasme? Parce qu'on va finir notre vie dans un cachot. Oh, génial! Enchaîné avec les rats, l'humidité et la faim. J'ai tellement hâte. De quel droit tu nous entraînes dans cette histoire? Je trouve pas ça si grave. Merci. Regarde autour de toi. Pour quelque temps, nous avons un palais à disposition et de quoi manger en abondance. Nous allons pouvoir dormir dans de vrais lits. Les raisins sont délicieux. S'il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on décide à ma place. En discuter aurait été la moindre des choses. Tu aurais dit oui? Non. Tu vois? Alors que j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi? Oui. Vraiment? Oui. Pourquoi faire? Eh bien... Tu es bien... Tisserande. Couturière. C'est ça. J'espérais que tu m'expliques comment fonctionne un métier à tisser. C'est une plaisanterie, c'est ça? Non. Mais tu es tisserand. Non. Mais tu as dit à son Altesse... Oui, je l'avoue, j'ai menti. Et pour tout te dire, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc de ce genre. On est fichus. Oh, mais non, voyons. On va passer un bon moment, on va bien s'amuser. On va s'amuser. Amuse-toi bien. Attends, non, attends, écoute-moi. Personne ne finira au cachot. Tout se passera bien. J'ai un plan. Et confiance. Je lui fais confiance. Apparemment, ce sont les plus beaux habits du monde. On dit que les stupides et les incompétents ne pourront pas voir les habits. On les verra pour la première fois le jour de son anniversaire. Enfin, il paraît qu'ils seront invisibles. Oui, mais que pour les incompétents et les gens stupides. Et toi, tu me trouves stupide, incompétent ou bien les deux? Non, bien sûr que non. Mais l'empereur Friedhelm va nous chasser du château. Nous n'avons absolument rien à craindre. Bonjour, votre Altesse impériale. T'as vu, on est jolie, non? Oui, mais maintenant on va se laver. Non, 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 je veux pas me laver. Greta, non. Bon, je vais t'expliquer comment ça marche. Alors, ça, c'est le battant. Tu le tiens avec la main gauche. Quand tu tires le battant vers toi, appuie en même temps sur la pédale. Ça fait bouger les lames. Alors lâche le battant, ça te permet de faire passer ta navette. Je fais passer ma navette. Oui, elle va glisser sur les fils de chaîne, mais il faut les tendre d'abord. Les fils de chaîne, ouais. Tu veux essayer? Enlève tes souliers. Tes souliers.
C'est pas comme ça que tu vas faire les habits de l'empereur. Non. Et encore moins un habit aux vertus magiques. Je n'en ai pas l'intention. Que comptes-tu faire alors? L'empereur aura exactement ce qu'il a commandé. Et comment si tu ne peux pas tisser? On fait semblant. Quoi, on fait semblant? Crois-moi, je sais ce que je fais. Voici votre commande. Du nacre, du safran, du fil d'or, de la soie, des perles. Très bien, merci. Par ailleurs, l'empereur me fait dire qu'il est prêt. Il vous attend dans le jardin pour la prise de mesure. Mais qu'est-ce qu'il veut mesurer dans le jardin? Il plaisante. Bien sûr qu'il faut prendre les mesures de l'empereur. Bien. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut prendre les mesures de l'empereur. Mon assistante m'accompagne. Oh, cela risque fort de déplaire à Sa Majesté. Pourquoi? Eh bien, c'est une femme. Et lors de la prise de mesure, l'empereur ne portera qu'une perruque ordinaire. Il est un peu délicat, si vous voyez ce que... Pudique. Pudique. Je vois. Bien. Dans ce cas, je le ferai seul. Parfait. J'en sais rien, moi, comment on prend les mesures. Je croyais que tu savais ce que tu faisais. En partie. Jetez-moi ces habits. Ce que j'ai déjà porté, je ne le remets jamais. Vous le savez parfaitement. Oh, approche. Lors de la prise de mesure, messieurs, je ne veux être dérangé par personne. Tout le monde dort. Allez, du balai, du balai, du balai. Ah, tu ressembles enfin à un être humain. Allez, qu'est-ce que tu attends? Il est où ton maître de couture? Mon maître de couture? J'ai ma propre méthode, je n'ai pas besoin de maître. Si vous me permettez... Votre propre méthode? Un, deux, quatre, six, huit, huit. Tu ne notes pas les mesures? Non, non, j'ai tout emmagasiné, dans ma tête. Emmagasiné? Tu ne donnes pas l'impression d'avoir déjà fait ça. Oui, c'est tout à fait logique. Des habits exceptionnels pour quelqu'un d'exceptionnel, une prise de mesure exceptionnelle. Quatre. Bien. Oh oui, c'est vrai, c'est tout à fait logique. Gardez cette position. Oh, je suis impatient. J'ai hâte de savoir à quoi va ressembler cette toilette. Elle sera somptueuse. Oui, c'est évident qu'elle sera somptueuse. Mais comment? Somptueuse comme un paon ou comme un lion ou comme un lever de soleil? Imaginez un lion à plumes qui... vole en direction du soleil levant. À peu près, quoi. Oh, oh, j'ai tellement hâte. Et moi donc, Majesté, et moi donc. C'est la plus belle robe que j'ai jamais mise. Et ça, ce sont les souliers les plus étranges que j'ai jamais portés. J'aurais voulu que maman et papa soient encore en vie, pour nous voir comme ça. Je suis sûre qu'ils auraient été fiers. Tu as raison. C'est vrai que tous ces bijoux seront cousus sur les habits de Son Altesse? Normalement, oui. Mais tu as entendu, Jacob ne sait pas tisser. D'accord, mais il a dit qu'il avait un plan. Et tu crois que ça va marcher, toi? Bien sûr. Mais tu le connais à peine. Greta, on va peut-être finir au cachot à cause de lui. On risque rien. Comment tu peux en être si sûre? À cause de son regard. Jacob ne supporterait pas que tu sois enfermé dans un cachot. Ça, j'en suis certaine. Alors, tu as tout ce dont tu as besoin pour ton travail? Eh bien, des fils d'or et des perles, on n'en a jamais assez. Du safran pour la teinture. Et je vais faire le nécessaire pour que tu en aies plus. Ce sera d'autant plus somptueux. Tu te dois de savoir qu'il n'y a pas que la beauté de ton vêtement qui m'intéresse. Depuis quelque temps, je soupçonne certains de mes subalternes d'être aussi stupides qu'une brouette à crottin de cheval.
Et je crains de n'être entouré que de profiteurs inaptes à leur fonction. Mais grâce à tes habits, je vais tous les démasquer. Tous. Je vous promets que vous serez ravis de l'efficacité de ces vêtements. Garde en tête que je mettrai à exécution mes menaces si jamais je suis déçu. Et je te préviens, n'essaie pas de quitter le château en catimini, mais garde ton à l'œil. Allez, au travail. Le travail avance, maître? Oui, oui, ça suit son cours. Je peux être utile à quelque chose? Je ne pense pas, non. Merci. Le métier à tisser a tendance à se coincer au niveau du tourniquet avant. Tu l'as aussi remarqué? Oui. Mais je fais avec. Ah oui. C'est très étonnant. Il n'y a pas de tourniquet sur un métier à tisser. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller directement voir l'empereur pour lui signaler que je viens de me rendre compte que tu es un sale petit escroc? Vous faites erreur, madame. Ah oui? Sa Majesté va penser que vous parlez mal de moi parce que vous êtes tout simplement jalouse. Et pourquoi serais-je jalouse? C'est pourtant évident. C'est à moi que Sa Majesté a commandé un habit pour son anniversaire. Pas à vous. Vous êtes blessé, offensé et déçu. Et vous ne pensez qu'à vous venger. Je t'ai sous-estimé. Mais tu disposes de peu de temps et tu dois rendre des comptes à Son Altesse Impériale. Il va vouloir ses habits. Et tu seras démasqué. Nous verrons. J'ai l'impression de rêver. Je te dérange? Non. J'arrête pas d'y penser. Moi aussi. Ça fait tout drôle dans mon ventre, c'est bizarre. Ah oui? J'y pense. Tout le temps. Oui. Je veux dire, j'arrête pas de nous imaginer ensemble. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ensemble, enfermés au cachot avec de l'eau et du pain sec, c'est atroce. Et on en sortirait seulement pour nos vieux jours. Je vois. Je me fais pas de soucis pour moi, mais... Mais si jamais Greta se retrouve enfermée... Je ferai de ma vie. Personne ne sera enfermé. Mais qu'est-ce que tu vas faire si le jour de l'anniversaire de l'empereur, on se retrouve sans rien? Là, on fera comme s'il y avait quelque chose. De toute façon, l'empereur ne voit que ce qu'il veut voir et son entourage l'approuvera, de peur de passer pour stupide ou incompétent. C'est ça ton plan? Ouais. Génial, non? C'est la chose la plus débile que j'ai jamais entendue. Non, non, ça va fonctionner. Tu rêves. Non, si deux ou mieux encore, trois personnes disent voir quelque chose qui n'existe pas, personne n'osera les contredire. C'est dans notre nature. T'es pas un Mustang? Si, je suis un Mustang sauvage. Non, tu es un âne. Quoi? Un âne. Un Mustang. J'ai fini. Je n'ai rien à me mettre. Quelle atrocité, c'est l'orage. Du fil d'or, de la soie,
des perles. Votre Majesté, la houppelande, est aussi légère que le souffle créé par le battement d'une aile de papillon. Du fil d'or et des perles. Merci. Non, 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 deux points, Maya, pas quatre, deux. Dis-moi, Otto. Oui. Je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu me trouves stupide? Non. Et est-ce que tu trouves que je fais mon travail correctement? Oui, hormis tes petites siestes pendant tes heures de service. Alors je devrais peut-être me faire faire des lunettes. Tu n'as rien vu sur le métier à tisser? Rien. Pas le moindre fil. Décris-moi précisément ce qu'ils sont en train de faire, au cas où on me poserait la question. Dis-moi à quoi ressemble la bille, Otto, je t'en prie. J'en sais rien, moi. Moi non plus, je sais. Moi non plus, je ne vois rien. Alors, on est incompétents. Ou idiots. Ou bien les deux. Mais si on ne dit à personne qu'on ne voit rien, eh bien... Personne ne se rendra compte qu'on est idiot. Ou incompétent. Ou les deux. Donc, on ne dit rien à personne. Ce serait vraiment idiot de notre part. On a constaté une immigration massive à l'est de l'Empire. Certaines régions sont complètement désertes. Au nord, un pont s'est écroulé. Il faut le remplacer d'urgence. Les habitants de l'autre rive sont en train de périr de faim et de soif. Et l'ensemble de l'Empire souffre d'une pénurie de vaches, de cochons, de poules et de chèvres, car tous les animaux servent à confectionner vos vêtements. Même nous, il ne nous reste plus qu'une seule vache. Heinrich, c'est vous le ministre des Finances, alors réagissez. Les caisses sont vides, que voulez-vous que je fasse? C'est votre métier, c'est à vous de le savoir. Nous devrions peut-être envisager de revoir à la baisse les dépenses consacrées à vos vêtements. Pour faire une proposition si absurde, vous devez avoir mal géré votre budget auparavant. Ça, non, mais avec tout le respect que je vous dois, il s'agissait là d'une simple suggestion. Vous savez quoi, Heinrich? À chaque fois que vous venez me voir, c'est pour me dire des choses ennuyeuses. Nous dépensons trop d'argent pour les vêtements, et cet argent manque ailleurs. Majesté, nous consommons bien trop de matières premières pour les vêtements. Et sauf votre respect pour les vôtres. Quelle andouille, celui-là! Je suis l'empereur, Heinrich. Je ne vais pas m'habiller en haillons. Mais non, votre Altesse, il ne s'agit pas de ça. Vous voulez peut-être que je me promène tout nu devant mes sujets, hein, Heinrich? Non, bien sûr que non. Votre Altesse impériale. Enfin, vous avez entendu ce qu'a dit le tisserand. Je vais bientôt savoir qui de mes subalternes est incompétent. C'est exact, votre Altesse impériale. Vous devriez faire attention. Tous! La rouge. Quelle horreur! Aïe, aïe! Tu n'avais pas vu qu'il restait une épine sur cette rose, hein? Oh, quelle bêtise! Alors comme ça, tu veux me tuer? Hein, quoi? Qu'en pensez-vous? Il veut me tuer? Hein? Garde! Laissez-nous sortir! À l'avenir, je m'appliquerai pour coudre les boutons! Mais laissez-nous sortir! Je ferai pousser des roses sans épines! On ne voit pas la broche, ça me fait douter. Bah, eh bien, approche, dis-moi tout. Où en es-tu? Je meurs d'envie de savoir. Je n'exagérerai pas en vous avouant qu'il est de loin l'habit le plus beau que je n'ai jamais confectionné, votre Altesse Sérénissime. Voilà qui est agréable à entendre. Poursuis. Aucun de vos sujets n'a encore jamais vu son empereur dans la tenue que je vous crée. Je veux la voir! Pardonnez-moi, Majesté, mais ne vous gâchez pas la surprise. Je n'oserais vous infliger la présentation d'une œuvre inachevée. D'accord, mais décris-moi au moins ce que je vais porter. Fermez les yeux. Imaginez la chemise la plus légère et la plus fine que vous n'ayez jamais vue, aussi légère que la caresse du vent sur le visage. Par-dessus, vous porterez un gilet aussi doux et délicat que les plumes d'un jeune cygne. Oui. Votre culotte est si fine et si aérienne que vous ne la sentirez même pas. C'est vrai, je ne la sens pas. La houppelande est aussi légère
que le souffle créé par le battement d'une aile de papillon. Et ce, dans vos couleurs préférées. Mauve et bouton d'or. Et une touche de vert. Et là, que voyez-vous? Je vois que je suis beau. Tout le monde me regarde. Et il m'aime. Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Si. Je fais une pause, j'allais m'y remettre. Alors comme ça, c'est toi l'assistante du grand artiste, hein? Il paye bien. Pardonnez-moi, mais il faut que j'y retourne. Pas besoin de jouer la comédie. Je sais très bien que vous n'êtes rien d'autre que de vulgaires imposteurs. Il n'y a rien sur le métier à tisser. Rien du tout. Et tous ces tors, ce safran et ces perles, vous comptez les garder et partir avec. Je dois avouer que votre plan est parfait. La crainte des gens de passer pour stupide ou incompétent vous protège. Oui. Mais tôt ou tard, votre petite arnaque sera démasquée et tous les trois vous terminerez au cachot. Là où grouillent les rats et les cafards, et vous devrez vous contenter de pain sec et d'eau. Tu ne tremperas plus tes pieds dans ce lac et tu ne reverras plus jamais le soleil. Et ta petite sœur deviendra vieille et flétrie avant d'avoir connu l'amour. Qu'attendez-vous de moi? Je pourrais trouver une solution pour que vous puissiez quitter discrètement les lieux. Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Je veux que vous quittiez le château. Je ne veux plus vous voir ici. Partez ou vous le regretterez amèrement. Rendez-vous à minuit. Au portail de l'entrée sud. Ne soyez pas en retard. Faudrait encore tisser l'ourlet de la Houplande. Tisser? On dit tisser l'ourlet? Jacob. La couturière de l'empereur nous aide à partir d'ici. Il suffit d'être au portail de l'entrée sud à minuit. Tu veux partir? Elle sait tout. Cette histoire peut vraiment mal finir. Ce ne sera pas le cas. Tu te crois plus intelligent que les autres. Tu voles des perles, de l'or, tu voles même des souliers. Je sais ce que t'as en tête. Je les connais, les gars comme toi. Ils pensent qu'à eux. Et si jamais ton projet fonctionne, tu vas prendre l'or et disparaître comme tu es venu. En fait, et Greta et moi, on peut reprendre nos éventaires et dire « Oh, génial, c'est quelque chose passé !» Maya, tu vas me laisser parler. L'or et les perles ne m'intéressent pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu tisses l'ourlet! On dit coudre! Coudre? Vous voulez que j'aille voir votre nouvel habit? Mais pourquoi? Parce que je suis si impatient que je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Je ne veux pas me gâcher la surprise, mais je me dis que ce n'est pas grave si mon conseiller y jette un œil. Pourquoi moi plutôt qu'un autre, Altesse?
Parce que, mon cher Heinrich, vous faites partie de ceux qui ont sans doute une chance de voir quelque chose. Me suis-je fait comprendre? Oh, vous me flattez, Majesté. Et ensuite, vous me faites un rapport très précis de tout ça. D'accord. Et cette mousse, combien de temps vais-je l'attendre? Ah ben voilà! C'est l'empereur qui m'envoie. Je dois le tenir au courant de l'avancement de votre travail. Maintenant? Maintenant. Alors? Allons-y. Je suis enchantée. Vous dansez? Nous avons un invité qui souhaiterait se faire une idée de notre travail. Dans ce cas, nous allons lui montrer. Je vous en prie, approchez-vous. Cette étoffe n'est-elle pas sublime? Cette épaisseur. Alors qu'elle est si légère. Déroulons-en qu'il puisse l'apprécier. Regardez l'éclat de ses couleurs. Et ce drapé délicat. Comme si elle avait été peinte par un maître. Greta? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fil qui dépasse. Ah. Il vaut mieux l'enrouler maintenant. Oui, tu as raison. On l'enroule? Alors, qu'en dites-vous? L'empereur sera sublime dans cette tenue. En effet. Je n'ai encore jamais rien vu de tel. Oui, mais est-ce que vous aimez? Oui, je... Si... Bouleversé. Magnifique. Époustouflant. Phénoménal. Tout à fait extraordinaire. Vous ne pouvez imaginer ce qui vous attend, votre céleste majesté. Mais raconte, Heinrich, je veux connaître le moindre détail. Oh, allez, un peu plus vite, dépêchez-vous. Mais allez, raconte, Heinrich. C'est que c'est pas du tout évident à décrire votre majesté impériale. Heinrich, donnez-vous un peu de peine. Eh bien, il y avait un truc. Une sorte de drapé peint par un vieux maître. Et les couleurs sont éclatantes, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Toutes, oui. Très coloré. Très coloré. C'est quoi cette indication? Enfin, je t'en prie. Pourrais-tu être un peu plus précis? Je ne tiens pas à ressembler à... un arc-en-ciel. Ne vous inquiétez pas, votre majesté impériale. Alors? On a de plus en plus de perles. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va les faire disparaître. Disparaître? On ne peut même pas les coudre sur l'étoffe. Certaines choses doivent disparaître avant de réapparaître au bon moment. J'espère que je ne vous interromps pas en plein travail. Ah là là, on dirait que je suis incompétente ou idiote. Car je ne vois rien. Non, absolument rien. Et la nuit dernière, je ne vous ai pas vu non plus. N'avions-nous pas rendez-vous? Nous avons changé d'avis.
Et encore une fois, je vous ai sous-estimé. Vous n'avez pas encore gagné. Le fait que Heinrich ait mordu à l'hameçon ne vous garantit rien. Que dira son Altesse quand il verra qu'il ne voit rien? Il va jouer le jeu. Peut-être. Mais rien n'est moins sûr. Certes, il est vaniteux et narcissique, mais il n'est pas idiot. Assurer la réussite de votre plan serait pourtant très facile. On vous écoute. Quelle est la personne dont l'empereur Friedhelm s'attend le moins à ce qu'elle reconnaisse vos talents? Vous. Il sait que je préférerais vous voir chassé du château. Mais vu comme il m'a traité, il mérite que je me venge. Je suppose que votre offre a un prix. Promettez-moi qu'après son anniversaire, vous quitterez le château pour toujours. Merci beaucoup, mais nous refusons. Une fois de plus, tu décides pour nous sans même me demander mon avis. Quoi? Mais je me disais que... Vous avez notre parole d'honneur. Tu es malin et elle intelligente. Ensemble, vous irez loin. Assez chanté. Pour les cadeaux, on verra plus tard. Je veux voir mes habits. Je ne tiendrai pas une minute de plus. Vous ne serez pas déçu. Oh, cessez de me faire languir et montrez-moi votre œuvre. Volontiers. Fermez les yeux. Il faut? S'il vous plaît. Non, très bien. Je peux regarder? Je peux? Ouvrez les yeux, Votre Altesse. Je suis... Sans voix, c'est... C'est... Oui, oui, je dois l'avouer. Regardez. Venez. Admirez comme ce bleu rappelle la couleur de vos yeux. La couleur de mes yeux. Et ce jeu de couleurs. Mauve, bouton d'or, vert. Et regardez la lumière du soleil se refléter dans la broderie de cette chemise. Et l'harmonie entre son col et le pourpoint. Le col, c'est oui. Comme si le tissu du pantalon cherchait à rappeler une... brise de printemps, vous voyez? Oh. Êtes-vous satisfait de notre travail, Votre Majesté impériale? Je... Oui, je suis... Je suis bouche bée, sidérée. Franchement, je dois avouer... Faites-moi voir ce que ces bohémiens ont confectionné. Mon Dieu, c'est un... Un quoi? C'est... Oui, c'est un quoi? Oh, je vous en prie, dites. Oh, c'est un chef-d'œuvre absolu. D'une telle beauté, d'une telle grâce et délicatesse. Je suis émerveillée. Regardez le raffinement de ce juste au corps. Il n'en existe pas de plus beau au monde. Je n'ai pas été juste envers vous. J'en suis désolée. Oui, et surtout que cela vous serve de leçon, ma petite Adèle. Mais en ce qui concerne votre jugement à propos de ces toilettes, je vous approuve entièrement. Oh, mais que dis-je, ces toilettes, ce n'est pas du tout le mot approprié. Il s'agit plutôt de nuages tombés du ciel.
dans lequel je vais m'envelopper, hein? J'ai su dès les premiers instants que tu me confectionnerais une merveille d'originalité, toi. Voilà ton or. Merci, Votre Majesté. Ouais. Allez, sortez tous. Oui. Excepté vous deux. Et toi aussi, je veux que tu assistes à l'habillage. Viens, 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 viens. Et tous les autres dehors, pourquoi dois-je toujours tout répéter? Il paraît qu'il aura sur lui plus d'or que ce qu'il a déjà dans sa salle du trésor. Dommage que tu puisses pas les voir, bête comme t'es. Dis-moi, je t'ai pas déjà vu quelque part, toi, ma petite? Non, je vois pas où. Moi, l'empereur, je l'ai déjà vu. Voici Sa Majesté impériale, l'empereur Frisel. Je sais pas. Vous avez laissé votre empereur se couvrir de ridicule. Vous n'êtes qu'une bande de misérables bignis, oui-oui, hypocrites et lèche-pottes. Aucun de vous n'a eu le courage de me dire que j'allais être nu devant tout le monde. Vous devriez voir vos têtes, c'est quelque chose. C'est vraiment stupide! Sa Majesté en caleçon! Votre Majesté, puisque vous êtes entouré de votre peuple, peut-être pourriez-vous en profiter pour faire acte de générosité. À vrai dire, je devrais te faire jeter au cachot. Mais d'un autre côté, tu as tenu ta promesse. Tu vois, mon peuple ne m'a jamais vu ainsi. Non? Vas-y, je t'écoute. Votre peuple souffre de famine. Les gens ont besoin de se nourrir, et pas uniquement de soupe. Altesse, nous sommes ruinés. Nous sommes ruinés. Eh bien,
Je vous rappelle qu'il y a toujours cet or et les bijoux que vous nous aviez donnés pour vos habits. Exact. Oui. D'accord. L'empereur Friedhelm assure que dorénavant, plus personne ne souffrira de famine. Bravo! Vous pourriez gracier les prisonniers. Les gracier, oui, oui. Oui, bien sûr que je les gracie. L'empereur Friedhelm va gracier les prisonniers innocents. Le pont au nord est réparé. Et à l'est, les terres sont à nouveau fortement peuplées. Continuez. Comme nous n'avons plus besoin d'autant d'animaux pour vos habits, l'élevage et l'agriculture sont florissants. Le pays est riche, le peuple est heureux, grâce à vous et à votre sagesse. Voilà d'excellentes nouvelles, et surtout, Heinrich, ne manquez pas de me tenir au courant. Mais là, j'ai d'abord un mariage à officier. Oh, le voilà, le futur mari. Merci pour la robe, elle est vraiment magnifique. Je sais, je suis douée. Et comme l'empereur l'a également reconnu, vous pouvez rester tant que vous voudrez. Nous verrons. T'as vu, Maya, un porcelet? Il est mignon. Les enfants, dépêchons, je n'ai pas tout mon temps. Je dois m'occuper d'affaires courantes. J'ai un pays à gouverner, moi. Alors faisons vite. Oui, je le veux. Moi aussi. Bon, c'est fait. Alors, je vous déclare mari et femme.